Moi c'est Gwen, avec Noé et mon van Caprice, on parcourt les routes pour découvrir l'Europe. Rejoins-nous. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on passe la frontière. On vient d'arriver à la douane là, il y a un petit peu de monde donc je pense que ça va être long. Je sais pas si ils vont fouiller le véhicule. On arrive à la frontière, ça y est, nous allons passer en Roumanie. Ça y est, la frontière vient d'être passée, donc encore une fois ils ont bugué sur mon passeport, ça commence à être vexant. Je sais que j'avais fait la photo il y a quelques temps, mais bon quand même quoi. Je pense que c'est une question de poids, c'est bon elle. Elle fait un régime spécial non? Un régime Jai, sumo. Il est horrible avec moi. Et du coup il est allé chercher des billets, enfin on a fait un échange de nos derniers levs pour, je sais pas comment ça s'appelle la monnaie d'ici. Mais des petits billets un peu en plastique, c'est rigolo. Nous voici donc à Bucarest, donc la capitale de la Roumanie. On va y passer un jour ou deux, ça dépendra. Ici, il refait froid. Il y a une vague de froid qui est arrivée. Ça fait mal, ça pique. Mais on va voir quelques trucs et j'espère qu'on va manger les bonnes choses. Donc à la capitale, à Bucarest, il y a énormément de musées. Il y a le musée du paysan roumain, je crois. Il y a un autre musée sur la culture roumaine. Il y a des musées d'art. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller bruncher. Parce que pour nous, c'est le meilleur musée. Découvrir la gastronomie. Ouais. On a trouvé un petit café sympa, c'est le café de Van Gogh. Et du coup, il y a toutes ces œuvres d'art qui sont refaites et accrochées au mur. Petite limonade au miel, petit jus d'orange. Et surtout, pour ce monsieur, qu'est-ce que c'est? Un double cappuccino, café liégeois. Non. Un double cappuccino viennois. Voilà. Bon, moi j'ai fait simple, j'ai pris un petit pancake comme ça. On vient de tomber sur une petite rue entre deux restaurants et c'est vachement sympa. En fait, ils ont recréé une ruelle un peu à la romaine, comme à Rome, avec plein de petits restos. Et regarde papy, j'ai trouvé un Kinder Maxi surprise. C'est bien mon petit, mais d'abord je vérifie la salmonelle. Ah, les Roumains, ils rigolent pas avec les aires de jeu. Faut pousser plus fort. J'ai fait des compétitions sur PlayStation de... De snowboard. Oula. N'importe quoi. C'est lourd hein. Bien tenté. Ouais, je fais une... Voilà, c'est fini pour nous Bucarest. C'était vachement sympa. Cette petite ambiance là, je vois bien débouler Van Helsing avec un loup-garou et Dracula, tout ça derrière. Ça fait vraiment la Transylvanie quoi. On voit qu'on est vraiment dans le pays de Dracula. Hein. Je trouve que vraiment il y a cette ambiance, en plus avec la neige là. Des chiens loups. Coucou toi. Voilà, petite vue du spot. Donc vu qu'on a récupéré de l'eau, on va pouvoir enfin faire la vaisselle. Et puis on va se faire une petite salade, je pense. Ah, Noé est coincé. Alors, on fait les courses. C'est le chocolat à Rome. Alors, unboxing de Rome. Oh, d'abord, je peux voir que ça s'ouvre facilement. la prise est plutôt bonne. On va voir si ça croustille sous les dents. Oh, pas bon. Ah, c'est horrible, monde. C'est alcoolisé de ouf. Mais non. Si, là, c'est vraiment fou. C'est une blague. Non, c'est une blague. Ah oui, c'est alcoolisé. Oui, je viens de sentir, effectivement. C'est comme le mon chéri, c'est alcoolisé. Voilà, donc c'est à savoir, le chocolat Rome.
de Roumanie. Il est alcoolisé. Vous venez voir ici ? On se trouve devant un monastère qui daterait des années 1800, donc qui n'est pas très vieux. Et je trouve qu'il est très différent des autres églises qu'on a pu voir jusqu'à présent. Déjà, le toit est vert et il y a énormément de détails. Je vais vous montrer vite fait. Donc là, vous voyez les détails qui sont ouf. Entre la colonne qui est sculptée, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais... Et les peintures, beaucoup de couleurs, etc. Donc là, le flux rouge qu'il y aurait, c'est le chemin du diable. Ils prennent les morts là-haut, là, je vois. Ah ouais, c'est, il y a des gens qui sont morts. On a les petits diablotins ici, paf, qui les emmènent dans les profondeurs des ténèbres. Bonjour. C'est une nouvelle journée et aujourd'hui on se trouve au château de Pélès. On se trouve dans le château Pélès qui a été construit par le roi Carole Ier en 1900 et quelques. Et en fait, chaque pièce de ce château aurait une propre ambiance, une propre atmosphère avec des œuvres d'art particulières. Donc il est très très bien réputé ce château. On a clairement l'influence orientale. En fait, ils se sont inspirés du palais d'Alhambra en Espagne. Ah, il va à peu près à 30 km/h. Et bonjour, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, on visite le château qui a inspiré la légende du comte Dracula. C'est le point d'intérêt le plus visité en Roumanie. C'est vrai qu'il est un peu plus haut que le château de Pélès. Autant le château de Pélès il était à plat, autant celui-ci, ouais, on voit qu'il date de 1400. Lui c'est plus un type de défense et l'autre c'est plus de renaissance pour passer les vacances. Oh joli, merci Jeannie. Alors la légende de Dracula, donc il est né d'un roman qui a été écrit par l'Irlandais Bram Stoker en 1897, qui s'inspire de l'histoire du prince roumain Vlad Tepes. Ce prince, il est né à Sigisoaria en 1431. Il a été emprisonné par les Turcs et Vlad est couronné prince de Valachie en 1436. C'est un royaume en fait qui est pris entre les feux de la Hongrie et des Ottomans. Il a été connu parce qu'il empalait ses victimes. Ses méthodes expéditives lui vaudront le surnom de Dracul. Et Dracul, en fait, en roumain, ça veut dire dragon ou diable. Et la ressemblance s'arrête là puisque le romancier a aussi pris quelques libertés avec l'histoire en situant l'action de son récit dans le château de Bran. Mais selon quelques experts, le comte Dracula n'a jamais vécu ici.
Ok, donc tu mets le feu en dessous, tac ici, tu mets ta petite bouilloire. Et puis là, t'as le four. Alors ça, c'est un corle-feu, en fait, c'est la salle de chauffage. Tu fais le feu ici, et en fait, là-dedans, c'est une énorme inertie, et beaucoup de chambres d'air, avec beaucoup de grosses briques avec de l'air dedans. Et du coup, ça chauffe pendant la journée. Et après, pendant toute la nuit, ça va restituer la chaleur que ça a empoisonnée. Et on peut voir qu'il y a plein de petites trappes de partout. Ça libère la chaleur qu'il y a dans cette poche d'air. Coucou! Hello! C'est marrant, hein, ces petits corridors. En fait, c'est pour la défense, du coup. Quand ouais. Là, ils rentraient, les méchants, là, ils pouvaient lancer des cailloux, des... Eh ouais. Puis faire évacuer les femmes et les enfants. Ouais. C'est pas Titanic, c'est ça. Noé a trouvé un nouveau jouet. Et en vrai, ça se partait comme ça à l'époque. C'était comme ça, il... Je fais une mitraillette. Attention, là, c'est la partie un peu... Olé olé. Un peu thématique, s'il te plaît. On est chez le comte Dracula. Wow. Wow. Ah, magique. Ouais, alors là, vraiment, je suis prête à voir le comte Dracula. Et du coup, pour clôturer cette visite de château de Dracula, on ne pouvait pas ne pas faire le musée de la torture. Voilà, clairement, il paraît que ça vaut le coup. La fameuse ceinture de chasteté. Là, sur l'image, c'est trop rigolo. Genre, le mec, il souffle la bougie, il fait hop. Ce soir, c'est fini. Alors là, c'est le siège pour interroger des gens. Moi, je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent interroger. C'est une fois que tu es assis là-dessus, tu dois t'évanouir direct et perdre tout ton sang. Alors ça, c'est assez particulier. C'est un triangle qu'on met dans le c'est pas une blague. Ils sont très créatifs, hein. J'aurais pas pensé à ce genre de truc. Ma très belle visite, très intéressante, très différente du château de Pélès. Mais du coup, c'est encore mieux. Parce que vraiment, ça fait deux salles, deux ambiances. Voilà. Ça, c'est l'argumentation. Voilà, et là du coup on va retourner à notre petit spot d'hier. Noé a enfin trouvé sa brioche creuse. Brioche à la broche, et apparemment en Turquie ça se fait. Mais on l'a pas trouvé. J'ai pas trouvé, j'ai trop d'aigle. Bah, ah hmm. Voilà, donc on retrouve notre petit spot qu'on avait adoré hier. En plus là on a beaucoup de chance, ce qui fait très beau. Voilà, c'est parti. Donc on va faire des poireaux. On coupe un poireau. Ninja. Avec une espèce de semoule et des œufs. Et du coup, je vais raconter un truc, une anecdote rigolote. En fait, on est allé acheter des œufs colorés l'autre fois, parce que c'est bientôt Pâques et on a vu qu'il y en avait. Et on s'est dit, ah, oh, c'est super. C'est original, donc on va en acheter, voir un peu ce que ça donne. Et en fait, c'est des œufs cuits durs. Voilà. Donc faut savoir, si vous voyez des œufs colorés, c'est des œufs cuits durs. Donc là maintenant, ça fait un petit moment qu'on marche. C'est un sentier qui doit faire 3 km aller, donc on est ouais, sur 6 km à peu près. Voilà, et du coup c'est plutôt sympa, il y a beaucoup de fermiers, de gardes forestiers, etc. Alors savez-vous que quand un arbre est en train de se faire couper, il ressent, enfin il sait qu'il va être coupé définitivement. Du coup, via ses racines et autres moyens, il communique aux arbres aux alentours toutes les informations qu'il a pu acquérir durant sa vie. Et il envoie, si je me souviens bien, les minéraux, etc. Il transmet tout ce qu'il peut avant d'être complètement mort.
Alors si on compte les stries, on peut savoir l'âge qu'il a. Vas-y, Noé. Ouais, on va dire qu'il a 10, 11, 12, 13. On va dire 69 ans. On marchait en pleine nature. Et voilà, voilà qu'est-ce que je vois. Un gros biceps. Il se contracte. Oh mon dieu. J'en ai marre de toi. J'ai vu aussi gros. Bah alors. Moi je croyais que t'allais tomber dans la neige. J'espère, dans la boue, hein. Dans la boue neige. Il y a un Roumain qui vient de passer qui nous a dit que c'était bien un ours et qu'il était très gros. Voici encore des traces. Elles sont énormes. Voilà. Il va être costaud celui-là. Hein. Et bonjour à tous, c'est une nouvelle journée. Alors là, on repart, on se dirige vers Brasov. Et du coup, oh là là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Roumanie, ils adorent avoir des moutons dans leur jardin. Mais genre tous. Et du coup, après on a affaire à ce genre de situation complètement improbable d'avoir des moutons avec nous qui traversent tout le village. Regarde-les. Oui, attention à pas... T'as le chien? Ouais. Hop, 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 hop. C'est comme ça en Roumanie. C'est trop drôle quoi. Donc voilà, là on fait la course avec les moutons. Oh là là. On va y arriver, on va y arriver.